Ceci est une histoire de la ville fantastique. Aujourd'hui, présence. Elle venait d'emménager au Lila, rue de Paris, juste au-dessus de la boutique de mode à la pancarte turquoise. Devant ce modeste bâtiment à deux étages, elle avait réussi à garer le camion qu'elle avait emprunté à son oncle pour le déménagement. Avec quelques amis, les gros meubles furent montés en premier, suivis des valises de vêtements. Après deux ou trois voyages pour les cartons de livres, elle décida d'aller acheter des sushis pour tout le monde. L'après-midi fut dédié à l'aménagement de l'appartement. On remonta vite les frêles étagères en bois pour les bouquins. Le petit canapé trouva facilement sa place dans le salon, en face d'une petite télé. Dans la chambre, elle sortit délicatement quelques photos qu'elle posa sur sa table de chevet. Comme ses amis allaient bientôt partir, elle leur proposa de faire une petite balade dans le coin. Cette proposition leur sembla un peu étonnante, mais ils décidèrent de profiter des premiers rayons de soleil de l'année pour aller marcher un peu. Elle se sentait soulagée d'avoir de la compagnie encore quelques heures. Ensemble, ils prirent la direction de la mairie, puis tournèrent à gauche en direction du parc. Ils s'asseyèrent dans l'herbe une petite heure. La nuit allait bientôt tomber. Elle remercia chaleureusement ses amis pour le déménagement. C'était son premier appartement dans un lieu qu'elle connaissait à peine. Elle était loin de sa famille, isolée dans une ville au nom de fleurs. Elle cherchait depuis longtemps un logement à côté de son nouveau travail. Elle avait trouvé cet appartement par hasard. L'annonce venait de paraître quelques minutes auparavant. Le prix lui semblait correct. Quant au Lila, elle chercha sur internet où était située la ville. Elle découvrit même qu'il y avait une station de métro. Pour la visite de l'appartement, elle avait découvert la ligne 11. Une fois sortie du métro, l'agent immobilier l'attendait à côté des marches de la mairie. Le logement était libre depuis quelques semaines seulement. Le propriétaire avait fait des travaux de rénovation. La personne qui habitait l'appartement avant y aurait vécu plusieurs années, voire plusieurs décennies. Elle avait même connu plusieurs propriétaires au fil des années, mais tous avaient choisi de ne pas la déloger de l'appartement. Elle payait son loyer chaque premier jour du mois, avec une régularité digne d'une horloge suisse. La jeune femme salua ses amis à l'entrée du métro. Elle marcha le long de la rue de Paris, ravie de pouvoir compter sur des personnes si adorables avec elle. En se rapprochant de l'appartement, la perspective de se retrouver seule commença à l'angoisser. Elle se dit qu'elle devait être forte et que ça ira mieux demain. Une fois rentrée chez elle, elle décida de finir d'installer ses affaires. Elle sortit ses livres et les posa sur l'étagère. Elle vida les valises de vêtements et les rangea sous son lit. Elle entra dans la petite salle de bain. Il y avait une toute petite douche et un lavabo. Juste au-dessus se trouvait une large armoire de toilette. Elle semblait très ancienne, mais elle était dans un très bon état. Elle ouvrit délicatement les deux portes centrales, puis regarda chaque détail du meuble. Il y avait plusieurs petites étagères en verre fin. Le fond était tapissé d'une sorte de revêtement rose pâle, doux au toucher. L'intérieur tout entier semblait être immaculé. Elle ouvrit ensuite les deux tiroirs situés sous les miroirs. Elle trouva plusieurs épingles à cheveux. La pièce était maintenant remplie d'une douce odeur de parfum. L'odeur rappelait l'eau de Cologne avec une touche de citron. Intriguée, elle se mit sur la pointe des pieds afin de se rapprocher de l'armoire. L'odeur semblait émaner du meuble tout entier. Elle avait inondé la pièce comme le soleil rayonne au petit matin. La jeune femme ferma les yeux quelques instants et prit de grandes inspirations. Elle ressentit alors une grande chaleur à l'intérieur d'elle, comme un manteau qui vous enveloppe. Apaisée, elle passa la soirée à lire sur son canapé et passa une excellente nuit ce soir-là. Le lendemain matin, elle décida d'aller découvrir la ville.
En sortant de son appartement, elle croisa sa voisine de palier. Bonjour, c'est vous la nouvelle locataire de l'appartement d'Aslian ? Bonjour, oui, c'est moi, enchanté. Oui, excusez-moi, enchanté. Aslian était la personne âgée qui habitait là avant. Malheureusement, elle n'est plus là. Elle accueillait tout le monde. Elle a gardé mes enfants. On était tous les bienvenus chez elle. Elle cuisinait des plats turcs pour tout l'immeuble. Dès que l'on arrivait chez elle, elle nous mettait un peu d'eau de Cologne citronnée sur les mains. C'était une tradition dans son pays. C'était une personne adorable. Elle va beaucoup nous manquer. La voisine était très émue. La jeune femme s'approcha d'elle et lui dit « Vous savez, je crois que les personnes bienveillantes ne meurent jamais. Si l'on fait attention, on peut toujours sentir leur présence. »